Et bien salut tout le monde, c'est Maver et aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème épisode de Pokémon Diamant en Nuzlocke Challenge. Et donc aujourd'hui on va aller sur la piste cyclable pour XP un peu tous les Pokémon. Ta-ta-ta-ta-ta, il va tranquillou, on est clean et tout. Oh merde, j'ai pas son Pokémon. Je leur ai pas donné de potion quoi. Chapignon. Combat plante, je crois. Donc on va utiliser Flyers, il devrait être efficace dessus, non? Oh putain, parasport. Ouais, ça va, il est efficace. Ah, le poison qui fait bien plaisir comme d'hab. Ah, il m'a fait vampigraine l'enflure. Alors par contre, ouais, on va se calmer un peu. Pour le troll. Voilà. Je savais que ça allait le tuer. Du coup, Flair a pris masse des... Oh, rayon lune, c'est cool ça. On va pouvoir se heal un peu à n'importe quel moment. Ah, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Elle est en pente. Sac. Du coup, on va soigner un peu tout ce bordel. Antipara. Sur Flyer. On va utiliser deux potions sur Flyer. Non, on va faire ça plutôt. J'aurais dû acheter plus de potions en fait. Je vais aller acheter des potions. J'ai pas envie de gaspiller le fric, on va dire. Alors attendez. Merde. On va enregistrer la bicyclette, je pense. On a enregistré quoi là? La canne. Ouais. Non, c'était pas ça. Je sais plus trop comment on utilise la bicyclette en plus. Alors attendez, c'est quoi mon... mon Y? Ne. Ok. Ok, j'ai mis le jeu en pause, je me demandais ce que c'était. Bon, c'est pas grave. Question. Comment est-ce qu'on passe derrière là? Allez! Il n'y a pas escalade là, on est d'accord. Ouais non, il n'y a pas escalade. Là, il doit y avoir un chemin. Ok, d'accord. Le chemin le plus basique du monde. Ah, du fric. C'est cool ça. Du pognon. Il est où le gros champi? Il est là. Du coup, on va acheter des potions. On va en prendre que 3. Les bols, on en a pas mal. Et toi, tu vendais quoi déjà? De la merde, je crois. Hein. Ouais, de la merde. Je connais la musique en accéléré maintenant, c'est... Alors... Parce que de toute façon, je vais en utiliser là déjà un peu. Ah, non, je vais utiliser potion là. Alors, potion. Flyer, ok. Ouais, Hyperlia, il va avoir une potion, c'est pas grave. Pour 7 PV, je pense qu'il pourra tenir le coup. Et l'autre, par contre, pas le choix. Ryama, il va se prendre une petite poudre énergie. Hop, et on retourne sur la piste cyclable. On va continuer à XP. Allez, hop, go. Là, il y a quelqu'un, je crois. Ouais, bonjour. Cette randonnée m'a fait du bien. Il me manque plus qu'un petit combat. D'accord, plus qu'un bon petit combat. Ah, Pyrène, ok. Pas de problème. Oh putain. Ah bah non, du coup ça sert à rien cyclone là. Oh, je suis dans la grosse merde. Oh, je suis dans la grosse merde.
suis dans la merde. Il peut pas être échangé, c'est la baise. C'est tellement la baise, je peux rien faire. Je peux juste le heal quoi. Et taper comme un gros comme un sourd. Allez, mais fais des coups critiques quoi, au moins un. Normalement c'est un bon rate, enfin du coup ah bah voilà, coup critique. Coup critique fait 1 pour 1, voilà. On est plus confus. Appel défense. En plus ouais, l'autre elle s'augmente sa défense, sa défense de connasse là. Bah on pourra plus utiliser CNC tout le long. Oh putain, c'est tellement la baise. En plus elle me fait nos dégâts quoi. Allez, encore un ou deux. Allez, là, ça devrait le faire. Ne prends pas la con... Oh, putain, la confusion. Ouais, bah là, pas le choix. On va utiliser une potion. Putain, mais c'est tellement la baisse, ça. D'où elle a marque ombre, ou je sais pas trop ce qu'elle a. Allez, coup critique. Au revoir. Finalement ah, j'aurais dû le soigner Ariyama. Ok, Sensei vient de monter niveau. Je sais plus ce que ça fait quand on appuie sur B en fait. Alors sac, on va le soigner avec il ne reste pas des potions. On va lui mettre une petite potion. Toute petite. Madame, madame, bonjour, je veux vous affronter. En bas il y a des B frères, ça je les reconnais. Celle-là je les reconnais. Tain, 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 tararara. Alors grave avalanche, ah bah voilà, nickel. Oh putain, what? Il fait mal. Bon, putain, il a fait une ampleur 8, hein, vous me direz. Oh putain, quel con. J'ai pas changé de truc. Envoyez Perlien un peu. Allez, au revoir. Hop. On va tous se les faire hein, carrément. Ça va être l'épisode XP un peu. Alors il pourvoit. Est-ce qu'il est... je sais qu'il peut utiliser des attaques de type dragon. Je sais jamais s'il est de type dragon ou pas en fait. Merde, je fais l'ensoleil quelconque. Ah oh, bah c'est bon. One shot. Hérissandre. Perlia. Ah, il avait quand même sable volant, Hérissandre. Ah oui, là on voit le milieu. J'ai toujours pas soigné Ariyama, peut-être qu'un jour je vais le faire. Il est type col, poison je crois. Bon, ouais, défonce-le. Ouais, il augmente sa défense, donc je vais le faire en... Ah oui, ah non, pas, j'allais dire en deux fois, mais non, en fait, non. Ah ouais, non. Ok, il est paralysé. Alors par contre, t'as pas intérêt à le tuer, littéralement. Je vais l'enchaîner, voilà. L'avantage c'est qu'en plus faire la souris il est putain de rapide quoi. Alors là on a du soin à faire. Du soin assez important. Ah non c'est... D'accord, c'est juste une antidote qu'il te faut. J'en ai pas mal. Hop.
Ah merde. C'est sûr que si je prends pas la bonne poudre, ça aura aucun effet. Ouais. Voilà. Bon, par contre, Ariyama a plus beaucoup d'attaques, donc merde. Je me grattais l'œil en fait. Donc bon. D'accord, j'ai pas trop compris pourquoi Windows aime me faire ça, mais c'est pas grave. Melocric. Donc c'est son dernier combat, Ariyama en devant. Je pense. Patience. Grimace. Pour le troll. Ah là, tu peux envoyer la sauce si tu veux. Ah merde, du coup je continue Grimace. Bon bah. Là je fais Dracosouf, ouais, parce qu'il envoie la sauce. Hop. C'est réglé. J'ai quand même déjà 3 Pokémon qui sont morts, c'est assez incroyable. Qui peut apprendre sabotage? Bah pourquoi pas à la place de Cyclone. Je sais pas lequel est mieux en fait. Cyclone ça peut être pratique, genre si je suis coincé comme la dernière fois par Apiren avec Marque Ombre quoi. Lugia. What? Ah oui, en plus c'est un tank en fait Lugia, sans mentir. J'adore. Mais je crois que je vais lui faire nos dégâts. Je vais juste faire un test avec Trancherbe. Je crois qu'il est vol psy. Ouais, il est vol psy, putain. C'est pas un Pokémon que je joue tout le temps, Lugia, on va dire. Non, là, je fais une connerie. Hein. Littéralement. Bah, Hyperia. Une Protect, si tu veux. Allez, dors. Ça c'est voilà, ça c'est fait. Très pratique cette nouvelle attaque, j'aime bien. Ah bah voilà, on a fait toute la petite là. Ouais, j'ai une bicyclette. D'accord, cool. Un petit beau drive. Sabotage. Ah, il fait mal en plus hein. Bah en fait, ouais, il fait mal. L'attaque en elle-même est pourrie. Elle fait que 20 dégâts quoi. Mais bon, comme Sensei, il a une attaque de fou. Une piste cyclable assez tranquille quand même. Bonjour, t'es qui toi? D'accord. Route 206. Est-ce qu'on a capturé un Pokémon dans la route 206? Ah, il y a Aurore. Oh, me dis pas qu'elle veut faire un combat. D'accord, cherche VS, totalement inutile. Aussi pour XP un peu mais radar objet. Ah enfin le poké radar. Ok, donc route 207 on a rien capturé. Ah, attendez, hop, il est là. Donc route 207 on a rien capturé du coup. Belframbi. Je sais plus du tout ce que c'est. Non, 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 on va pas replanter. Parce que concrètement, on repasse jamais en fait, de toute façon. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Autant c'est totalement inutile. Mais bon. Non, route 207, on a capturé déjà, du coup. Et c'est route 206 qu'on a pas capturé. Là, on revient où? À Charbourg. Bon. Je sais plus si on est obligé de passer par en bas ou on peut passer par en haut. Alors là le premier Pokémon qu'on rencontre, faut qu'on le capture. Alors attendez. Donc du coup, on va faire un truc. Ah, la revanche. La revanche du Caninos. Dors. De l'épisode précédent où on ne pouvait pas capturer ce putain de Caninos. Yes, il a pas fait. Il ne l'a pas fait. Oh putain, dors, dors, je te dis, dors. Non. C'est une blague. Le problème c'est qu'il me réattaque là, je suis fichu quoi.
je veux à tout prix qu'il dorme, parce que s'il dort pas, il va se barrer, quoi. Ok. En plus, ça augmente mon taux de capture, donc c'est bon, ça. Ok. Allez, allez, allez. Oui. Par contre, j'ai pas d'idée. Bah si, en fait, j'ai une idée. Merde. Quel con. Bon, je voulais l'appeler Fukano. C'est pas très recherché, parce que bon, voilà, quasiment tout le monde connaît Fukano, hein, je suppose, quand même. C'est plutôt un très bon youtubeur, si j'ai envie de dire. Il y avait des Ponyta. Pourquoi pas. Je sais même pas si j'avais acheté des anti-brûles, vous savez. Objet. Non, pas... Bah, ah, on peut pas utiliser les objets directement, c'est vrai. Oui, j'avais un anti-brûle, ok. Ça paraît, il va falloir que j'aille en racheter. Alors, les béfrèves. Ah oh, bah, pff. On a un anti-brûle. On en a un plus naturel. On a un autre objet là-bas. Donc on a... Attends, comment ça se fait qu'on a obtenu la clé de voûte? Oh, il y avait des écaillons. Sympa. Ah oui, normalement on n'est pas censé, ouais, on n'est pas censé l'avoir obtenu, la clé de voûte. C'est pour ça que c'est bizarre, pourquoi il y a la clé de voûte en plein milieu de la route. Elle sert à quoi déjà? Je crois que c'est pour je sais plus. Ok, on a eu un réveil. Attendez. Pourquoi elle sert la clé de voûte? Putain, ça me dit quelque chose en plus. Ouais, la clé de voûte c'est comment il s'appelle? Spiritomb. C'est un rapport avec Spiritomb. Pour faire venir Spiriton uniquement dans le vent. Grenipio. Alors Sensei, tu peux le défoncer je suppose. Bluff. Ce qu'on y... Ah oui d'accord. Je pense que sabotage ça fera l'affaire. Il avait pas de défense le truc. Et son évolution, ok, bluff. Ah bah non, ça marche plus. Ah. Sabotage. C'est pas très efficace, ok. Bon bah cogne. Ok, c'est fini. Voilà, il me donne un peu de fric au passage. Hop. On avait quoi? Écaillon encore. De temps en temps, j'utilisais la souris, c'est plus rapide. Lunettes choix. Alors, je crois que ça améliore les attaques. Ah non, c'est le mouchoir soi, ça. Et putain, mais... Voilà. Il y avait encore des arcos. Le nôtre est mort, de toute façon, donc bon. Ah, notre petit Alkaï est mort. Qu'est-ce que c'est cette grotte? Grotte Révèche. Bon, on va capturer un Pokémon ici, tiens. Ah ouais, il faut flash. Alors attendez. Il faut éclat rock. Donc il va falloir que je la prenne à Ryama. Métalos, la revanche. C'est pareil. Ça y est, on peut recapturer tous les Pokémon qu'on a ratés. Putain, il fait mal ce bâtard. On va faire un petit lance-soleil des familles. Ah bah voilà, ça fait bien mal. Dors. Non mais please. C'est relou ça. D'où il rate ce... Mais tout. Ok, je suis mort. Voilà, notre meilleur élément est mort. Non mais please, c'est n'importe quoi ce jeu. D'où il rate deux fois l'attaque d'affilée. Surtout que... Oh. 75 de précision, c'est pas infâme non plus. Tu me sors Explofort, ça rate deux fois d'affilée, je veux bien. Mais poudre dodo, please. Putain. Pas intérêt à le rater, hein. Du coup, il a griffe assez qui j'envoie. J'envoie Sensei, je peux pas le faire chier. J'ai failli lui faire sabotage pendant un moment. Oh le bâtard. Ah oui, il a choc mental, putain. Ouais, non, on va changer. J'ai senti un coup critique passer, là. Je me suis dit, oh putain, il va mettre un critico, je le sens pas. Ok, rate-toi, c'est bien. Mais fais-toi capturer, putain de merde. Utiliser toutes mes balles sur lui, quoi. Ah, ta mère. Que c'est pas un légendaire, hein.
Non mais please, stop au bout d'un moment. Mais d'où il se fait pas capturer? Alors attendez, attendez, attendez. Et Perlia, je crois qu'il est beaucoup trop puissant. Il est beaucoup trop puissant. Ouais, il est beaucoup trop puissant. Bon, alors. On va envoyer faire à souris, en espérant qu'il ne le tue pas. Oh putain de merde, mais comme par hasard il fait choc mental ce connard là. Je peux même pas le taper parce que si je le tape il est mort quoi. Oh si je sais, j'ai une idée. Pingu, dis-moi que t'as pas une trop forte puissance. Laquelle est la plus faible entre Griffacier et Écrafas? Écrafas, ok, donc on va faire Écrafas en espérant que ça passe. Ah non, bah non, alerte neige. Dis-moi que ça le touche. Ah, il est tapé par alerte neige, nickel. Enfin, nickel, oui et non. On va dire que j'ai plus que quelques tours pour le capturer, quoi. Si je me rate, par contre, il abaisse. Allez, 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 allez. Facile. Ah, putain, enfin. Lui, je vais l'appeler tank. Lui, c'est pas d'autre mot, c'est un véritable tank, lui. Tankiste, je vais l'appeler. J'ai pas d'autre... Voilà. Tankiste. J'ai pas d'idée de pseudo. Mais comme d'hab, si vous avez des pseudos à me proposer, mettez-les dans les commentaires. Alors. Il m'a défoncé Terniflore. Il m'a défoncé les trois quarts de mon équipe. On va se calmer quand même. Un peu les Pokémon sauvages. Non mais please capturer ça quoi. Plus jamais. Flash. Pingu peut la prendre. On va lui envoyer quoi? Enlever quoi plutôt? Envoyer quoi? Enlever Écrafas. Parce que de toute façon il a pic-pic au pire. J'ai envie de dire. Pokémon. Pingu. Flash. Ok. Maintenant. Éclatroc. Sensei. On va lui enlever. Bon, on va lui enlever sabotage finalement. Même si ça a prouvé que c'était très pratique. Alors là, on va peut-être utiliser... Non, c'est bon, les Pokémon sont à notre niveau. J'allais dire, on va peut-être utiliser un repousse, mais non. Alors attendez. Voilà. Au revoir. C'est plus rapide en fait avec la souris. Ah, combat double. Comment ça se fait qu'il y ait des combats doubles là-dedans? Ok. Dites-moi qu'il y a des objets de soins à un moment quand même. Enfin qu'on peut récupérer des objets de soins. Oh. C'est quoi ce labyrinthe à la con? Que des métalloses dedans. Je sais pas quel Pokémon ça remplace ça, mais ah ouais, y a que des combats doubles en plus. Alors du coup, attendez, on va mettre deux bons bourrins devant. Voilà, on met le duo de choc et on va soigner un peu tout le monde là, parce que là c'est costaud. C'est costaud. Ah ouais, Ariyama, il a quand même masse vie. Ok, ça devrait le faire. Ah, il y a un objet. Bon, ça nous permet d'XP un peu. Galaigon et Mélo. Le Galaigon, c'est un putain de gros danger public, mais sinon après le Mélo, on s'en fout. Le Galaigon, bah, écume. Ah d'accord. Pas vraiment le choix. Ça va, il fait pas trop mal. Tarsal. Ok. On les enchaîne.
qu'on y est. Duo de choc devant. Ah bah voilà. Un combat rudement mené. Alors 512. Ok, en plus c'est un peu radin sur le sur l'argent. C'est pas grave. Je crois qu'on peut trouver des tessons en pétant des caillasses comme ça. Torgnole. On a fait ça un peu pour rien. Celle-là, je vais la vendre. What? C'est une blague? On aurait pu tomber sur Dialga. Non mais please. C'est une blague. What the fuck? Le truc le plus random au monde. T'as pas le gars, t'as Dialga, t'as les deux. Non mais please, c'est n'importe quoi. On est d'accord. Oh non, j'y crois pas. Putain, le jeu le plus random du monde. En même temps, vous me direz, c'est Nuzlocke, mais bon, je m'y attendais pas, quoi. Random Nuzlocke. Enfin, faut avoir de la luck pour qu'il y ait quand même les deux légendaires, quoi. Bejuka. On est un peu paumé, et je l'avoue. Je sais plus du tout où est la sortie, mais c'est pas grave. Ah, un combat double. Bon, on va laisser le duo de choc devant. Le duo de choc. Autant sur le titre de l'épisode, c'est quoi. Ouais, bien sûr, mais moi aussi j'ai créé folé et tout. Je vais chercher créé fadé si tu veux, créé elf. Ils sont sur mon sur la banque là, sur le PC. Ok, ça c'est cool. Comment ça assis? Ah oui, assis, d'accord. C'est un peu con aussi ce que j'ai fait, j'avoue. Ok, les crapins, c'est fait. Ah, il manque rien. Je vais faire écume. Voilà. Sympa. Il n'y a aucune cible. Staros. Bah de toute façon, je peux quand même taper parce qu'il aura sûrement pas absent. Oh, ou alors c'est du troll. En fait j'ai plus beaucoup de PP en fait. Normalement là c'est bon. Allez hop. Voilà. Je prends un peu de risque des fois, ouais. Mais bon. Alors, on va soigner le petit Pingu qui commence à être un peu mal en point. Hein. Il y a rien du tout. Ah mais attendez. J'avais oublié que ça marchait comme ça, ça. Encore Dialga. Bonjour. Du coup on l'a même pas utilisé en fait. Est-ce que j'ai... Oh putain, est-ce que j'ai une corde de sortie avec moi au pire? Dans le pire des cas. J'ai pas de corde de sortie. Ouais bon, au pire des cas j'utiliserai un repousse et je sortirai. En off. Si jamais l'épisode tarde ou quoi, si jamais c'est trop long. Merde, je me suis trompé. Hein. Parce que de toute façon c'est la fin de l'épisode. Est-ce que je sors de la grotte ou pas? Je pense que je vais pas bouger. Et on sortira de la grotte ensemble la prochaine fois. Sachant qu'on a un Pokémon en moins déjà. Donc il va falloir faire très attention. Bon, vous me direz, on a quand même Kaninos et Metalos sur le PC. Ce qui est plutôt pas mal, hein. On va se le dire. Et je ferai de l'XP sûrement entre l'épisode 9 et le 10 sûrement du coup. Quand on sera sorti de la grotte. Voilà. Donc sur ce, bah, comme d'habitude, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à me laisser peut-être des surnoms dans les commentaires, comme d'habitude, enfin si vous en avez, pourquoi pas, un truc drôle ou je sais pas, n'importe quoi. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.